de ses buts. Voilà qui devrait normalement bien le mettre en confiance. Il a cherché la tête de Liuti, short. Intervention de Tigana et c'est Bakhmout qui peut donner. Tête de Wilder. Et montée de Garachenko qui bénéficie d'un coup franc. Cette faute de Sifo. Coup franc que va tirer Kudrytsky. Kudrytsky qui cherche la tête de Shore. Et une frappe. But d'entrée, coup dur. But soviétique. Marqué, me semble-t-il, par Cherebnik. Une balle déviée sur cette frappe, effectivement, de Cherebnik. Complètement déviée alors qu'on jouait, vous avez vu, une minute, on était déjà à 1 minute 20, c'est-à-dire on jouait depuis 60 secondes quand cette frappe a été contrée. Le voilà, il frappe. Elle est contrée par Alain Roche et Dominique Gromsky qui partait complètement sur sa gauche est archi battu. On le revoit. Cherebnik, il y a Sénac et Roche. Et la balle qui va complètement dans le coin droit. On revoit encore une fois. Ah, c'est Sénac. C'est le dos de Sénac qui dévie complètement cette balle. Et bien, effectivement, énorme coup dur. Énorme coup dur. Et c'est un autre match maintenant avec Charov qui déborde. Bordeaux va être obligé de se livrer d'entrée. Ce qui n'était peut-être pas prévu dans les plans d'Aimé Jacquet. Non, et pourtant Aimé Jacquet qui était un petit peu affolé par cette cascade de buts dans le premier quart d'heure dont je vous parlais tout à l'heure. C'est maintenant le sixième match depuis le début de la saison où Bordeaux encaisse un but dès le premier quart d'heure. Corner tiré par Bakhmout. Tendu. Et c'est Tigana qui dégage. Et il y a de l'affolement au sein des Girondins de Bordeaux qui ont pris un uppercut dès la première minute. Remise en jeu de Kudrytsky. Poliuti, Kudrytsky. Alain Roche dégage en direction de Clive Allen. Déviation de la tête un peu ratée, mais Stopira est là, protège bien son ballon, attend le retour de ses partenaires. Stopira, Sifo. Contre-attaque de Bordeaux menée maintenant par Enzo Sifo, transversale pour Jean-Christophe Touvenel qui part, soutenu par tout le public de l'Escure. Touvenel qui centre, ballon renvoyé de la tête par Wisniewski. Touvenel encore. Garnotror. Et attention à la Roche qui est pressé, qui va perdre le ballon, qui est obligé de commettre une faute sur Liuti. Un petit moment de panique, c'est là que les jeunes vont peut-être souffrir, un jeune comme Alain Roche, car c'est un coup au moral formidable que d'encaisser un but dans la première minute. Surtout en déviant une balle contre son camp, vous avez vu que Roche a manqué ensuite de sang-froid sur cette balle. Danger, danger pour les Girondins. Attention au jeu de tête de Shorn et de Liuti, mais le tir a été contré de Wilder, très pressant, qui se bat. Ballon arraché, donné à Tigana, Tigana, Stopira. Stopira, petit retour en arrière. Pour permettre à Touvenel de monter, il est là, il va centrer, centre de Touvenel, il est très long et il est trop long. Ah oui, centre manqué de Jean-Christophe Touvenel et on en verra d'autres dans cette partie, surtout si Bordeaux est mené. Touvenel qui dit souvent, c'est vrai, je ne réussis pas tous mes centres, je peux en manquer 20, ça n'a aucune importance si sur le 21e, il y a but. Dégagement de Krakowski. Attention à Liuti qui oblige... Il fait des fautes, c'est-à-dire qu'il oblige à faire des fautes, et là, c'est lui qui a fait une faute. C'était un peu des deux, hein. Ouais. L'arbitre autrichien a choisi d'avantager le camp défendant. Roche de Touvenel, contré. Bakhmout en retrait. Ballon récupéré par Zoran Vujovic. Sifo. Tigana. De Sénac. Centre de Sénac pour la tête de Stopira qui est bousculé dans la surface mais pas d'intervention de monsieur Cole. Bon, il a été légèrement accroché au moment de prendre son élan mais et rien, absolument rien de sifflable. Bakhmout bien stoppé par Tigana que l'on retrouve maintenant. Tigana de Wilder.
Sifo. Et faute de Sorokalet sur Enzo Sifo. Sorokalet qui va avoir un avertissement oral pour le moment. C'est celui qui précède l'autre. Précède le carton. Touvenel. Pour Sifo. Crochet de Sifo, deuxième crochet extérieur, peut-être une frappe, un tacle, tout à fait régulier. Et on cherche toujours Liuti du côté de Dniepr. Et les Girondins qui maintenant sont absolument obligés de prendre le match à leur compte, ce qu'ils font d'ailleurs, alors qu'on revoit le tacle absolument régulier sur Sifo. Ils doivent prendre le jeu à leur compte car pour se qualifier, alors qu'il y a 3 minutes, ils n'avaient pas besoin de marquer de but, un 0-0 les qualifiait. Et bien maintenant, ils sont tout simplement obligés de marquer 2 buts pour se qualifier. Un but les conduirait seulement en prolongation. Rakowski prend son temps. Étape très loin, toujours en direction de Liuti. Coup de risqué. À nouveau pour Liuti. Attention à la tête de Liuti. Il est très grand. Un peu de panique. Et Touvenel va pouvoir dégager après cette tête de Sénac. Ah, il faut reprendre ses esprits derrière. Car pour le moment, au milieu du terrain et devant, je pense qu'on doit avoir retrouvé son calme. Même si Stopira perd assez stupidement cette balle. Et c'est derrière qu'il faut retrouver toute sa sérénité. Pour espérer revenir au score. La touche, oui, pour Dniepr. Short. Transversal à destination de Koudriski. Interception de Zoran Bujovic. Et là aussi un peu de panique dans la défense de Dniepr, alors qu'il n'y avait pas le feu. Oui, c'est-à-dire que s'il y avait eu le feu, il est vraisemblable que cette passe en retrait aurait été différente aussi. Il était tellement sûr d'être seul, le défenseur, qu'il ne s'est pas vraiment appliqué. Le défenseur qui est Wisniewski, donc le seul international A de cette équipe, qui était au championnat d'Europe, mais qui n'a pas joué. Et toujours la tête de Liuti qui recherchait, ça l'amortit de la poitrine avec Bagwood maintenant. Wisniewski en retrait pour... À nouveau Dniepr qui part sur le côté droit avec ce centre de Garatchenko et bonne sortie de Dominik Rossi. De Wilder, il y a un pressing de Dniepr, mais une contre-attaque bien menée avec De Wilder sur cette passe de Tigana. De Wilder qui hésite, qui cherche Clive Allen. 3 contre 3. Il n'y avait pas énormément de solutions pour De Wilder. Sa balle était donnée presque au millimètre. Et Vigier a bien attaqué de la tête. Et pas de surprise, le dégagement toujours au même endroit. Tigana, Sifo. Une talonnade qui est un cadeau pour Bagwood. Il a du mal à exploiter, c'était pas un très beau cadeau, mais quand même. Tigana, tout mal. Touvenel qui a du champ, qui tente un nouveau centre, envoyé de la tête par Sorokalet. Tigana, encore une attaque. Il tente de lober, mais c'est pas facile. C'était là Garatchenko qui est gare envoyé. Sénac, Roche. Pour la tête de Stopira qui la prend. De la main. Ouais, Clive Allen s'est aidé de la main en extension. Il y a peut-être une petite raison d'espérer sur cette action, c'est que Stopira a pris le dessus sur Poutchkov sur cette balle haute. Et comme les Girondins ont visiblement depuis 5 minutes décidé d'envoyer de longues balles aériennes plein centre, il faut espérer que Stopira sera souvent le maître des airs. Sans ça, ses actions seront toujours vouées à l'échec. Il était tout à droite, Evgeny Koucherevski, l'entraîneur soviétique. Voilà,
plein centre avec sa cravate. C'est lui qui a succédé à Vladimir Yemets, dont vous vous souvenez peut-être, un monsieur de 130 kg qui est décédé l'année dernière d'une crise cardiaque. Le dégagement encore pour la tête de Liouti, envoyé par Senak, Sifo, déviation sur Zoran Vujovic, belle construction avec De Wilder qui lance Yannick Stopira, Stopira qui va peut-être le meilleur, non, ah là là, c'était très difficile à faire, il fallait un peu de réussite en plus, et il ne l'a pas eu, et là, coup de risque, rate son contrôle. L'équipe soviétique qui ne joue pas recroquevillée sur elle-même du tout, qui essaie surtout d'exploiter tous ses ballons de contre. Il va falloir être très très vigilant du côté de la défense des Girondins de Bordeaux avant même d'espérer une égalisation. Tigana. Chipo, Tigana. Tigana qui passe. Liouti qui joue avec Stopira, Tigana qui frappe. Frappe de 20 mètres, Jean-Tigana qui a marqué un but cette saison en championnat. C'est pas un puncher. Mais c'était du pied gauche contre Lens. Et là il a frappé du pied droit et frappe qui bon était prêt. Vraiment bien manqué. Krakowski change un petit peu de registre, eh bien pas du tout, toujours en direction de la tête de Liouti. Ne font pas preuve d'une grande assurance. Alain Roche pour mener la contre-attaque. Encore un démarrage de Touvenel qui est parti dans le dos, il n'était pas en jeu du tout. Touvenel face à face peut-être, ah non. Ballon dégagé par Sorokalet. Et ça revient pour Bordeaux avec Tigana. Tigana, Chipo. Liouti maintenant, il est tout seul devant. Et il a failli bien jouer le coup avec Mahmoud. Chipo. Garde notre or. De Wilder. De Wilder, c'était pour la tête d'Alain. Mahmoud maintenant pour la contre-attaque de Dniep. Et encore la tête de Liouti qui est cherchée. Avantage à Senak, mais attention. Alain Roche passe à Bakhmout, a pris le meilleur. Et il fallait y aller. De Wilder, Chipo, Tigana. Belle ouverture pour Yannick Stopira et coup franc très bien placé pour les Girondins de Bordeaux. Oui, il faut absolument que les Girondins varient le jeu. Cette fois-ci, en allant chercher Stopira ou Allen, comme ils sont allés à chercher sur une balle à terre. Et là, effectivement, on commet plus souvent des fautes que sur des balles aériennes. Et un bon coup franc, donc, à l'endroit à peu près où Alain Roche avait marqué au match aller. Suite à cette faute de Garatchenko sur Yannick Stopira. L'arbitre autrichien les met pour le moins à bonne distance. Oui, on a rarement vu un mur aussi loin d'un coup franc. Alors peut-être à nouveau Roche ou Sipo. Sipo qui a cherché la tête de Stopira. Et un ballon qui sort en touche sans qu'aucun Bordelais ne s'en soit aperçu, car la balle n'est pas en sortie de but. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de vent. Vous voyez, mal dosé, cette frappe de Sipo est trop longue. Tête de Rohr, montée de Bakhmout. Tête de Chipo. À nouveau Chipo avec maintenant Stopira, Tigana, Clive Allen, il est solide. Bon dribble de Yannick Stopira qui donne encore à Touvenel, où il y a toujours beaucoup d'espace là-bas à droite pour Bordeaux. Un centre de Touvenel où il a peut-être joué avec Tigana. C'est avec Clive Allen qui est dans la surface. Il tente de pivoter, il y parvient en partie. Oui, c'était un crochet assez simpliste, lui, qui d'un seul coup s'est avéré assez efficace avec un bon centre en retrait. Mais tous les Bordelais avaient piqué au premier poteau. Et encore la tête de Liouti pour Charoff là-bas, mais c'est Touvenel. Robs.
Alexis Roche. Dominique Groxy à destination de Chipot. Garde notre or. Tigana, Chipot. Grosse présence des Soviétiques avec Bakhmut. Et avec cette frappe de Charov, qui est le meilleur buteur du championnat du RSS, on vous l'a dit, on peut vous le répéter, avec 13 buts. Et vous avez vu sur cette action comme le terme explosion offensive qu'employait Aimé Jacquet tout à l'heure avant le début de la rencontre est justifié. Regardez, il récupère le ballon là, une touche de balle, deux touches de balle, c'est le même joueur qui va lui en fait deux et frappe immédiatement. C'est-à-dire qu'ils ont eu le ballon peut-être deux et demi, deux secondes et demie ou trois, et il y a tir au but. Et on retrouve Roche, suivi par Liuti Tigana. Ballon frappé par Koudriski qui ne va pas sortir. Non. Zoran est revenu très vite. Zoran Vujovic. Tigana. Senak. Lens-Lensois qui poursuit. Assez. Peut-être bien joué là avec Clay Ballet. Touvenel décroché sur la droite. Nouveau centre de Touvenel. Celui-ci est contré et c'est Bakhmut une fois de plus qui récupère pour mener la contre-attaque. Attention à la contre-attaque de Dniep qui met, je vous le rappelle, 1-0. Et qui pour l'instant est qualifié pour le deuxième tour. La faute était signée de Winder. Et on retrouve Liuti. Un tir qui était encore contré, celui-là de Koudriski, et qui n'est pas allé loin, de Binder. Tigana. Accélération de Jean Tigana, qui a vu à gauche Zoran Vujovic. Peut-être un crochet de Zoran. C'est un centre, mais complètement raté. Oui, mais c'est bien quand même de la part de Zoran d'avoir cherché un crochet pour déséquilibrer son adversaire direct de façon à faire un centre qui soit un peu plus travaillé ou un peu plus dangereux que les centres trop classiques que l'on voit depuis le début de la rencontre et qui pour le moment n'ont fourni aucune occasion de but. Si Zoran avait bien enveloppé sa balle, par exemple, c'eût été un très bon centre. Il faut chercher, il faut varier le jeu, il faut surtout pas rester stéréotypé. Et un ballon pris de la tête par Liuti. Charov. Charov, attention au jeu de tête. Et Touvenel va pouvoir dégager. Ouf. Il y avait deux Soviétiques à la réception de ce ballon. Eric de Wilder. Long centre pour la tête de Stopira, mais ça va directement dans les bras de Krakowski. Ah, il va falloir vite changer de tactique. À moins que Aimé Jacquet estime que la défense soviétique va s'user sur ces longues balles. Le schéma est toujours le même. La tête de Liuti. Et toujours autant de petits problèmes pour Bordeaux à chaque fois sur les dégagements de Krakowski. Remise en jeu de Koudriski pour Dniep. Renvoie, Garnotror aussi, Koudriski est là. Et à nouveau Dniep avec Garachenko. Et attention au jeu de tête, Touvenel est bousculé. Et l'arbitre Monsieur Cole accorde un coup franc bienvenu au Bordelais. Et Dominique Groxy, en ne sortant pas sur ce centre, avait laissé une lourde responsabilité à Touvenel. Et heureusement a eu le secours de Monsieur Cole dans ce duel aérien. Alors, Monsieur Cole, dont le prénom est vraiment Helmut. J'ai demandé à fond au début du match, j'ai cru qu'il charriait, ben non, il s'appelle Helmut Kohl. Il est autrichien. Koudriski. Bon, la tête de... Maintenant, on retrouve avec Chipot. Chercher à nouveau la tête de Liuti, c'est-à-dire Chipot avec Zoran Vujovic. Et bon tacle de Garachenko. Ce n'est pas facile à passer. Chipot. Enzo Chipot. Qui se rattrape. Alain Roche, peut-être une frappe de Roche. C'est à peu près d'ici qu'il avait marqué. Oui, pour le bel
frappe d'Alaros. Voilà, effectivement, une très très belle frappe qui non seulement a été fort bien réalisée sur le plan technique, mais qui en plus va obliger maintenant la défense soviétique à sortir sur le porteur du ballon bordelais lorsqu'il sera à 25 ou 30 mètres. Car on n'a pas le temps à chaque fois d'analyser si c'est Tigana ou si c'est Roche ou si c'est De Vilder. Et maintenant les soviétiques sont certains qu'il y a de bonnes frappes de balle en face. Ils seront donc obligés de faire jouer. Et ça peut être un atout tactique important. Et on retrouve après ce ralenti à la Roche. Et là aussi petit problème avec Pouchkov qui a dégagé alors que son gardien était bien sorti. Voilà, et tous les deux ne se sont pas dit des mots tendres à l'issue de cette action. Remise en jeu de Touvenel que va peut-être récupérer Tigana, il le fait. Et, oh là là, oui, hors jeu de Clive Allen. Ce qui met en colère. Regardez. Eh oui, Jean Tigana qui dit moi je l'avais. Oui, il y a hors jeu de Sifo à droite, il y a cette attaque de Jean Tigana que l'arbitre laisse courir, il reste 3 bleus hors jeu. Ouais. Il fallait pas s'en prendre qu'à Sifo, qu'à Allen. Garachenko. Tête de Zoran Vujovic. Sifo avec Tigana. Stop Iran, non. Cédé par Pouchkov. On repart de l'autre côté. Avec maintenant Wisniewski et Krakowski. Et encore une faute de Liuti. Toujours sur le dégagement du gardien Krakowski. Didier Kwekou et Mejaquet. Pas de quoi sourire, effectivement. De Vilder. Tournel. Oui, bien joué pour De Vilder. De Vilder va entrer dans la surface, il va pouvoir ajuster son frappe, c'est une vraie frappe. Eh oui, il a choisi de frapper très fort. Il y avait dans l'alignement Stopira, il y avait ensuite Sipo. Pour Stopira, c'était trop fort. Et pour Sipo, ça l'était un peu aussi. Regardez De Vilder. Il manque un bordelais en retrait, et oui, il manque un bordelais, donc il est obligé de jouer fort dans l'alignement de la ligne des 6 mètres. Ça enlève des solutions. À nouveau De Vilder avec deux soviétiques sur lui, Touvenel. Tigana. Tigana, le capitaine qui prend l'avantage, qui en élimine 3, qui va obtenir un coup franc alors qu'il allait continuer. Et c'est à la limite un nouvel avertissement verbal cette fois-ci pour Garachenko. Garachenko, le plus jeune joueur soviétique, il a une vingtaine d'années. Sa titularisation aujourd'hui a aussi été une surprise. On attendait plutôt Sergueï Bashkirov. Mais sur cette faute-là, en tous les cas, il vient casser une fort belle attaque de Tigana qui avait fait une énorme différence et il ne lui restait plus que Wisniewski à passer. Et il y avait une rage, une détermination chez Tigana. Très fort. Coup franc à 20, entre 25 et 30 mètres. Et avec un mur soviétique que l'arbitre place une nouvelle fois à une bonne dizaine de mètres. Et frappe de Roche. À retirer. Oh. Pas de cadeau de la part de l'arbitre autrichien ou soviétique. Car non seulement il va le faire retirer le coup franc, mais il va sans doute donner un avertissement au joueur soviétique qui était sorti du mur avant la frappe de Roche. Effectivement, il était... Ouais. Et Bakhmut est toujours knock-out. Il est au tapis. Il l'a pris dans un endroit douloureux. Charov qui reste au sol, le petit attaquant qui est sorti du mur. Et on ne peut pas reprocher grand-chose à l'arbitre, car effectivement, le mur doit être à distance au moment de la frappe. Et regardez, au moment où Roche frappe, eh bien Charov est sorti et s'est avancé de 2 à 3 mètres. Enfin, le pauvre, il a son compte. Hein. Il a été cueilli de plein fouet. Balle dans le ventre, carton jaune et coup franc à retirer, sur lequel, par exemple, il pourrait y avoir un but bordelais, ça ferait beaucoup.
voit en tous les cas que c'est Roche qui frappe à nouveau les coups francs en force. C'est à la demande d'Aimé Jacquet. Aimé Jacquet souhaite que Roche tire les coups francs en début de match pour un petit peu terroriser le mur adverse. Et Krakowski lui voudra 6 défenseurs au mur. Charov se relève alors que on va pouvoir sortir la civière. Et il a dégusté. Et le coup franc maintenant est à 25 mètres. À peine. Et voilà. Vous n'avez pas vu tout à l'heure qu'il y avait carton dans l'air. Là, il avait la tête dans le gazon. Avertissement à Charov. Et je pense qu'on va varier la frappe du côté de Bordeaux. On pourrait voir par exemple Enzo Schifo faire une frappe enveloppée. C'est Schifo ou Roche ? Peut-être une nouvelle frappe en force d'Ala Roche. Une feinte et oui, belle frappe de Schifo avec ce faux départ d'Ala Roche, cette fausse frappe de Roche. Bien détournée en corner par Krakowski. Ça doit être un arrêt assez exceptionnel qu'a réussi là Krakowski. Oh, effectivement, complètement au bout de son extension. Corner tendu. Envoyé de la tête par Magmout. Et garde notre or et hors-jeu de Yannick Stopira. Ouais. Ne pas remonter assez vite. Et attention à l'avertissement. Les Soviétiques disent là, on devrait mettre un avertissement. J'ai sifflé. Le ton monte. Regardez, les yeux dans les yeux, comme à la boxe. Eh oui, ça traînait un peu hors jeu. Là, il y a le coup de sifflet, et là, Stopira, effectivement, continue. Du côté de Allen et de Stopira. Oui, oui. Ralenti et ralenti prouvent la même chose. Le but devait être occupé. La pression bordelaise est en train de devenir un peu plus forte. Tête de Rohr, Kudrytski, Schifo, ça déménage. Ouverture de Tigana pour Yannick Stopira qui est bousculé. Touche pour Bordeaux. Oh là là, ça devient plus heurté le match. Avec Kudrytski, histoire de gagner quelques secondes. C'est Krakowski plutôt. Qui varie ses dégagements. Magmout. Oh là là. Il y a des retours. C'est très physique. Il y a aussi une averse sur Bordeaux vers 6h30. Et la pelouse est très glissante. Qui explique par exemple que cette balle sorte car elle a fusé un peu plus qu'elle ne l'aurait faite. Il n'avait pas. Remise en jeu de Gerachenko. Zoran Zijovic. De Wilder. Schifo. À nouveau Gerachenko. Pour Charov. Il a bien récupéré. Charov qui est stoppé par Garnotrohr. Comme il l'avait été très souvent au match aller. Enzo Schifo. Le Belge, Enzo Schifo, Zoran Vujovic. Voilà, il va chercher le duel et il fait un très beau centre en deuxième poteau qui est mis en corner après avoir effacé Kudrytski. Belle action de Zoran Vujovic qui sur cette action a ressemblé un petit peu à Zlatko. Eh oui, si ce n'est toi, on aurait presque valu le coup aujourd'hui d'ailleurs de faire jouer Zlatko. Personne n'aurait rien vu. Corner tiré par Schifo. Façon assez originale de tirer les corners. Pierre Schifo cherche des frappes tendues pour éviter le jeu de tête des défenseurs soviétiques.
Et là, il n'y a pas d'hors-jeu. Et on retrouve Zoran Dujovic. Oh, et bon, bonne balle pour Yannick Topira. Maintenant, c'est sûr, c'est un plan établi par Aimé Jacquet de chercher la tête de Stopira et la tête d'Allen le plus souvent. Pour le moment, ça n'a pas encore été très dangereux, mais il est vrai qu'on a l'impression que ça s'améliore et que la pression de Stopira s'accentue. Tête de Liuti. Dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Et il n'y a pour le moment qu'un seul club français qualifié en Coupe d'Europe, Monaco. Roche. Et Wilder. Alors, se heurte à Chor. Bagmout. Passing de Tigana. Dégagement de Wisniewski sur Liuti. La destination de Chor et le voilà Chor. On retrouve Bagmout. Bousculé, oui, faute à la roche sur Bagmout. Avec une bonne circulation de balles de cette équipe soviétique. Il ne faudra pas s'y tromper, les soviétiques sont champions olympiques. Les soviétiques étaient en finale du championnat d'Europe. Le leader du championnat soviétique est forcément une très bonne équipe. Et c'est un champion olympique qui a marqué, c'est Tcherevnik. Prend tiré par Wisniewski. Oh, Edrovski veut un mur, Edrovski ne peut pas avoir de mur, il est fou de rage. Attention, Ouécharov. Et c'est Garnotror qui s'est bien jeté pour contrer. Tigana. Senak. Touvenel. Sifo, Touvenel. On a laissé jouer, renvoi de la tête de Kudryski. Zoran Dujovic. Tigana, marquis, beaucoup de ballons passent. Zoran Dujovic, à nouveau en position d'ailier. Et cette fois-ci, son centre est contré, il se relève très vite. Et Garachenko a mis en touche. C'était Touvenel qui avait les ballons d'attaque en début de match. C'est Zoran Dujovic en fin de première mi-temps. Et on retrouve une montée de roche avec Wilder qui est... Ah là là, c'était dos au but. Wilder qui a dit il va falloir bosser pendant 90 minutes pour se qualifier. C'est vrai qu'il faut bosser, mais il faut aussi bien utiliser les ballons qu'on a dans la surface adverse. Celui-là était un bon ballon et l'arbitre continue à ne pas faire de cadeau à la défense soviétique. Pour avoir retardé le jeu, Krakowski va être pénalisé d'un coup franc indirect en pleine surface. Il y aura énorme concentration de monde, ça va pas être facile de trouver une ouverture, mais balle dangereuse tout de même. Monsieur Kohl ne fait pas de cadeau. Bon, surtout s'il met le mur à vraiment la distance maximale. Ils sont pas encore. Mur composé de Sorokalev et de Tcherevnik. Deuxième poteau pour la tête de Senak, c'est pas fini avec Alain Roche. Alain Roche qui remet vers le point de pénalty, Stopira tente de passer et on a failli voir Tigana y arriver. Et c'est un corner. Il y a Tigana qui fait quand même preuve de beaucoup plus d'enthousiasme, d'allant et de volonté que d'autres en ce moment au sein de l'équipe. Encore Tigana. Tigana est un modèle. Sifo, Senak qui rate complètement et Tigana récupère. Glisse à De Wilder pour le Touvenel qui va pouvoir centrer dans la foulée. Voilà qui est fait. Ballon renvoyé de la tête par Liuti qui est très replié maintenant. Chifo. De Wilder, Touvenel. Encore en position de centrage. Et Sorokalet a mis en touche. C'est une pression formidable des Girondins de Bordeaux. En cette fin de première mi-temps, une touche très longue pour la tête de Clive Allen.
Sifo battu de la tête, c'est Tigana qui vient. Sifo encore. Enzo Sifo avec Sénac. Centre du pied gauche de Milder. Et encore Tournel pour un centre. Voilà qui est fait pour Kleymalen. Bonne tête de Kleymalen sur le poteau. Ah, il paraissait invraisemblable que cette pression des Girondins de Bordeaux, qui travaillaient en force leur adversaire depuis 3 minutes, n'est pas un résultat. Forcément, à un moment, ça devait craquer. Ça a craqué. Tête de Kleymalen qui aurait pu, qui aurait dû aller pleine lucarne. Et vous allez voir, ou plutôt vous allez revoir, elle est parfaite cette tête d'Allen. Elle est presque lucarne, elle est poteau. Et ça change tout. Nieppe mène toujours 1 à 0. Et est à l'attaque avec Bagmout maintenant. Zoran Vujovic, formidable fin de première mi-temps des Bordelais qui, après avoir été cueillis à froid la première minute, vont peut-être égaliser à la fin de cette première mi-temps avec Yannick Sopira maintenant dans la surface. Il entre, il tente de centrer, il est stoppé régulièrement. Garnotran maintenant. En deuxième mi-temps, Bordeaux aura sans doute la vitesse de Jean-Marc Ferreri en plus. Et ça devrait normalement faire la décision. Enzo Sifo. Zoran Vujovic qui a réussi de mieux en mieux ses débordements ou ses centres. Voilà un autre, mais celui-ci est renvoyé encore Zoran Vujovic. Et la touche est pour Bordeaux. Touche concédée par Kudrytski. Je vais rapidement avec Sifo. Tigana, Sifo. Oui, Sopira va y aller. Sopira va y aller, il n'y va pas. Il est contré par, c'est pas fini avec Tournel. Frappe de Tournel qui met KO le défenseur de Kiev, de Nièvre, pardon. Et le goal est sorti, c'est la panique et c'est un corner pour Bordeaux. Quelle balle Yannick Sopira, par manque de spontanéité, par manque de vivacité, a manqué. Déjà au parc, l'autre jour, regardez, contrôle. Et là, il frappe pas. Il refait un autre contrôle. Et il s'en mêle et il attend la sortie du gardien soviétique. Il était seul, archi seul, à 6 mètres de Krakowski. Et cette frappe de Tournel était une balle de but à nouveau. Et regardez la panique. On se pousse entre blanc et jaune. Et pour finir, on manque complètement son dégagement du point. Ah, il faut espérer que Bordeaux ne regrettera pas cette période-là. Mais on revoit encore, hein, on est toujours en replay, c'est-à-dire qu'on revoit cette occasion de Sopira absolument seul. Il doit frapper du gauche, son contrôle était moyen, ensuite il doit quand même l'utiliser en frappant du gauche, il ne le fait pas. Tournel, lui, a été beaucoup plus actif direct, et réactif sur ce ballon. Et son recalette est resté au tapis, il se relève. Il a pris vraiment un tir canon, c'est... Pouchkov qui a pris ce tir canon. Ah, dans deux minutes, tête de Kleymalen sur le poteau. Occasion unique pour Sopira. Et pour le moment, les Girondins sont toujours éliminés. Alors qu'ils font depuis un quart d'heure une énorme pression. Corner tiré par Eric de Milder. Récupéré par Garnotror. Sifo. Et Liuti. Ouais, petite faute de main de Sifo. Enfin, petite ou grande, c'est pareil. C'est assez osé de la part de Sifo de discuter. Interception digne de Dubuisson au Racing. Par exemple. Et attention, un coup franc est pour Bordeaux. Yarachenko a voulu gagner 5 mètres. Il y a Vujovic qui a fait le ménage un peu vite. Oui, ce qui est stupide encore, puisque l'arbitre se charge lui-même de rendre le ballon aux Girondins de Bordeaux. C'est pas la peine d'en rajouter. Tigana écrase un petit peu son centre. Sifo, Garnotror. Tournel. Je crois que nos camarades arbitres et abonnés devant leur poste doivent s'interroger un petit peu sur le coup de sifflet de M. Kohl qui a quand même changé le coup franc qui était en faveur des Soviétiques pour le donner aux Girondins. Car c'est tout de même assez étrange, le ballon n'était pas en jeu.
car on peut pénaliser pour retard volontaire de jeu un joueur d'une équipe, comme l'a été Krakowski tout à l'heure, mais le ballon était en jeu, mais alors que le ballon était donc en arrêt de jeu pour ce coup franc, c'est un petit peu drôle qu'il puisse changer de sens le coup franc, comme on le fait au rugby. C'est un petit point de détail du règlement que... Moi, je suis sûr que les abonnés que sont Michel Vautreau, Joël Pignou et les autres qui nous regardent nous éclairciront. On en parlera mercredi de ce point-là. Guerre notre or. Les cinq dernières minutes d'une première mi-temps qui a été un spectacle très chaud qui n'est pas terminé. De Wilder est parti. Voilà, dernier conciliabule, Jacquet Kouekou. Car Aimé Jacquet va forcément devoir parler tactique dans 5 minutes lorsqu'il aura rejoint les vestiaires. C'est rappel sans doute à Jean-Marc Ferreri, mais Jean-Marc Ferreri aurait eu, selon ses propres dires, besoin d'une piqûre pour jouer ce soir. Il n'a pas fait la piqûre. Tigana de Wilder. Clive Allen. Ah, c'était pas mal vu. L'attention était bonne. Charoff. Sans ménagement, garde fort, mais tout à fait régulièrement, sur Charoff, de Wilder, Tigana, fait une première mi-temps fantastique, de Wilder, Sénac, voilà, on laisse à nouveau sur la droite maintenant avec Touvenel. Sénac encore, de l'autre côté avec Zoran Bujovic. Pour la tête de qui oh. Et Stopira était pas mal. Et de Wilder frappe. Stopira suit, le gardien renvoie. Et dégagement de Pouchkov dans les tribunes. Ah, si tout le monde avait la même vivacité, le même engagement, la même hargne que Jean Tigana, les Girondins de Bordeaux ne sauraient pas mener 1-0 maintenant. Car il y avait encore un ballon qui traînait et qui était bon à pousser dedans. Zoran Bujovic. Bien joué. Il va pouvoir centrer, sortie de Krakowski. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle, mais enfin, elle a bien fait. À l'arrivée, elle est belle. Ouais. Ouais. Spectaculaire. Krakowski qui est un petit peu gagné par la nervosité ambiante de sa défense. Regardez, il relâche sa balle, il passe par-dessus ses défenseurs. Il n'y a pas de faute. Voilà, Liuti qui est envoyé dans un espace où il n'y avait aucun joueur ukrainien. Et c'est Alaroche qui mène encore cette contre-attaque de Bordeaux. Bordeaux qui a besoin de marquer avant la mi-temps. C'est capital sur le plan psychologique. Touvenel. Une faute sur Touvenel. Les discussions entre Tcheretnik et Jean-Christophe Touvenel. Eh oui, Tcheretnik a empêché Jean-Christophe Touvenel de jouer le coup franc très vite, bien sûr. Tendu au deuxième poteau pour la tête de Sénac. Encore occasion de but pour les Girondins car Sénac avait bien pris le dessus sur Duty. Didier Sénac qui fait son 12e match de Coupe d'Europe. Déviation de Stopira, de Wilder va très vite, mais il n'ira pas plus vite, en tout cas qu'il ne pourra pas prendre le meilleur sur Wisniewski. Badmout. Pouchkov. Garde fort. Il n'a pas perdu beaucoup de ballons en première mi-temps. Non, ce qui est terrible, c'est que les Soviétiques sont à peu près inexistants depuis 30 minutes et qui mènent toujours 1-0. Allen. Dégagement de Sorokalen. On va que c'est un capouille. Ouais. Oh là là. Il a assuré. Hier notre or. Jean-Tigana. Sifo. Et faute de MacBoot sur Sifo.
plus il y a de fautes qui sont pourtant à 30-35 mètres des buts Frakowski, plus la menace du pénalty devient pressante pour les Soviétiques. Oui, c'est pas encore pour ce coup-là. Et encore Tigana, garde un port dans Tigana. Et l'attaque va encore partir du côté droit, du côté de Tuvnel. Sifo, qui redonne à Tuvnel, qui a un jus formidable. Il parvient à centrer, mais il n'y a pas corner. Et toujours la balle au bleu, toujours la balle au bleu. Oh là là, ouais. Et quelle faute de Tuvnel après cette faute du joueur soviétique. Le Tcherevnik. Il va bien s'en sortir Tuvnel qui n'a pas un carton jaune comme le soviétique sur cette affaire. Regardez là, jeu plus que dangereux, donc je crois Koudrinsky. Et ensuite Tuvnel qui s'est fait justice. De Tuvnel n'était pas indispensable. Et le carton sera seulement pour le soviétique. Le deuxième, donc, après celui de Sharon. C'est Tcherevnik, donc, qui a le carton. Plus grave pour lui car il avait eu un avertissement au match aller. Il doit être un joueur assez dur car il avait été suspendu pour la finale olympique également. Tigana qui se bat vraiment sur tous les ballons. Sifo. Tuvnel, attention à la montée des joueurs ukrainiens. Donc une bonne balle avec Garachenko. Et Tuvnel dégage encore. Petite mésentente, mais Roche est venu récupérer. Denak pour Dropsy, Dropsy qui relance tout de suite en direction de Tuvnel. Tuvnel, champion olympique il y a 4 ans à Los Angeles, avec l'équipe que dirigeait alors Henri Michel. Oui, il y en a des champions olympiques. Denak était champion olympique aussi, Liuti champion olympique, Pichenko sur le banc de touche champion olympique. Et il y a les anciens et les nouveaux. Thierry Deknik champion olympique. Tigana. Il y a même Pierre Durand dans l'assistance. Ouais. De Wilder. Et il obtient bien le corner. Face à Wisniewski. Peut-être le dernier de la première mi-temps. Toujours tendu. Renvoi de la tête de Short. Touche longue de Wilder, peut-être. Wisniewski remet en touche. Ils ont laissé beaucoup de force dans ce dernier quart d'heure, les Girondins. La mi-temps va faire du bien aux Soviétiques, elle va peut-être faire du bien aussi aux Girondins, qui devraient manquer d'un petit peu de fraîcheur maintenant. Zoran Bujavik. Très accrocheur lui aussi. Très battant. Et il se dépêche pour tirer ce corner. Il va aller à toute allure. Il n'y a pas une seconde à perdre en cette fin de première mi-temps. Tuvnel remet pour Tigana qui a tenté de passer en dribble. Garde notre attention hors jeu, non. Attention au contre aussi car les défenseurs bordelais n'étaient pas revenus. Voilà, ils reviennent à toute allure. Et on retrouve Liuti. Bakhmut, attention. Et hors jeu de Sharov. Ça aussi, c'est bien une des scènes de l'explosion offensive des Soviétiques. C'est allé à toute allure. Et regardez. Oh, quelle inspiration de Gernot Rohr pour mettre Sharov en jeu. Quelle inspiration d'avoir fait un pas en avant. S'il avait continué à défendre comme aurait fait un défenseur ordinaire, eh bien les Soviétiques marquaient un deuxième but et l'affaire était entendue.
maintenant de fortes chances pour que la mi-temps se termine sur ce score d'un but à zéro. Après notre chronomètre, on aurait dépassé de 5 minutes. Oui, c'est ça. 5 minutes, et cette fois-ci, il y en a assez. Non, il a encore sifflé la mi-temps, il a sifflé la faute de Stopira. Ah, c'est peut-être la plus longue mi-temps de l'histoire. C'est rare que la première mi-temps dure 50 minutes. Et les soviétiques sont d'ailleurs en train de faire signe à l'arbitre qu'il faudrait regarder sa montre de temps en temps. Il veut vraiment punir les retards volontaires de jeu, Monsieur Cole. Il estime peut-être que les blessures étaient des simulacres de blessures. Lutti, attention. Short. Backwood. Lutti, eh oui, bien joué. Vous voyez que les Girondins ont beaucoup, beaucoup donné depuis 20 minutes et que maintenant ils ont un coup de fatigue. Voilà, encore une balle perdue. Ils ont besoin du coup de sifflet de M. Cole maintenant. Kouchkov. Boudrinski. Et faute de main de Sipo. À la limite de la surface de réparation, cette fin de première mi-temps qui n'en finit pas était très chaude tout à l'heure en faveur de Bordeaux. Et là, ce serait terrible. Un but marqué quasiment avant que le match ne commence. Et un but qui serait marqué alors que le match et la mi-temps est fini. Ce serait quelque chose d'épouvantable pour les Girondins. Et le mur, là aussi. Envoyé par Drozzi qui hurle. Attention de garde fort. Oui, à qui il reproche le mauvais alignement du mur qui, vous l'avez très bien vu d'ici, était beaucoup trop décalé. Sur ce corner. Voilà, l'arbitre, monsieur Helmut Kohl, c'est bien dit, Helmut Kohl siffle la fin de cette première mi-temps sur ce score de 1 à 0. But marqué dès le début du match par Tcheretnik pour Dniep. Et en Coupe des clubs champions, les Turcs de Galatasaray sont qualifiés, les STEA de Bucarest aussi. En Coupe de l'UEFA, la Coupe que disputent les Bordelais, le Lokomotiv de Leipzig est qualifié, de même que Újpest d'Oza, qui est une équipe hongroise. Et que hier soir, j'ai pu voir cette rencontre, l'Eintracht de Francfort a éliminé les Grasshoppers de Zurich 1 à 0 avec deux cartons rouges. Donc pour l'instant, c'est Dniep qui engage avec Schorn maintenant et Lutti qui est qualifié pour le deuxième tour de la Coupe de l'UEFA. Dniep qui mène 1 à 0. Ballon qui était pour Chipot et que Sorokalet a mis en touche. Voilà, dégagé plutôt. Voilà, Chipot à nouveau. Chercher cette balle de Sénac. Alors que le système de jeu donc est légèrement modifié. Jean-Marc Ferreri joue genre ailier gauche en retrait. Chipo ne passe pas. Et les Soviétiques vont jouer un 4 contre 3. Charov, ouais. Alors qu'il y a eu un changement dans l'équipe avec la rentrée de Tichenko à la place de Tcheretnik. Et voilà Tichenko, précisément. Tichenko qui a vécu une aventure peu ordinaire parce qu'il revenait de Séoul avec ses deux autres coéquipiers. On a laissé Ferreri déborder. Et voilà qui déborde et qui frappe de Ferreri. Qui a réussi bien sa première action, oui, Tichenko, donc qui remplace un autre champion olympique, Tcheretnik. Oui, mais qui, au passage à Paris, à l'escale à Paris, a manqué l'avion et s'est retrouvé tout seul à Paris hier, a dû aller à Orly lui-même prendre un avion et est arrivé tout seul à Bordeaux, en tenue olympique, sans bagage, car il avait tout simplement raté la correspondance pour être allé se promener tout seul. Zoran Vujovic. Ferreri. Pour Tigana. Ferreri à nouveau. Ferreri par André Blanc en surface. Frappe de Ferreri! Et attention, repris et but! Ça y est, égalisation de Yannick Stopira après ce rush de Jean-Marc Ferreri.
Étonnant, Jean-Marc Ferreri quand même. Aimé Jacquet me disait cet après-midi, je n'ai jamais vu Ferreri aussi fort. Malheureusement, il a toujours des petits pépins, des petites blessures. Je ne crois pas qu'il puisse jouer une heure et demie. Regardez Ferreri rentrer, première balle, il tire, oblige le gardien à un arrière, à un arrêt. Deuxième balle, il tire encore, nouvel arrêt de Krakowski, mais balle repoussée que Stopira n'a plus qu'à pousser dedans. Et il le fait. Égalisation, et c'était un tir du pied droit de Jean-Marc Ferreri, qui hier à l'entraînement hésitait tant à se servir de son pied droit. Regardez, balle facile pour Stopira qui la met au ras du poteau. Partout, les deux équipes à égalité complète. Complète, voilà, ça commence. La Coupe d'Europe commence maintenant. Et l'entrée de Ferreri a fait mouche. À peu près d'ailleurs au même temps, c'est-à-dire après une minute de jeu, que au début du match. Au début du match, pour Soviet. Là, vous pouvez donner une note, vous savez, à ce match dans les 5 dernières minutes, et puis aussi poser une question au 36-15, code C+. Ah, la note pourrait n'être pas mauvaise, car quand même cette première mi-temps a été passionnante, et la deuxième débute sur un coup de théâtre, et un coup de théâtre bleu marine, ce qui est plus agréable qu'un coup de théâtre blanc. Envoyé de la tête par Roche, de Binder, Tichenko, et contre-attaque menée avec Ferreri. Et Wisniewski met en touche, pressé par Yannick Stopira. Oh, pressé, je dis. Bien pressé. Bien hein. Pressé. Touche jouée rapidement. Ferreri. Voilà, vous avez vu. Tigana, oui. Il était pressé. On y revient. Et une faute bordelaise. Ski qui avait été donc touché par Stopira, qui ensuite a été retouché par Tigana et qui vient de mettre un genou à terre. La Coupe d'Europe est un combat, répète sans cesse Aimé Jacquet. C'est une guerre, disait hier Gernot Rohr, surtout dans le premier quart d'heure de chaque mi-temps où il faut impressionner l'adversaire. Face à Kouchkov, il donne à Chiffaut. Chiffaut ne passe pas. Et il commet une faute, ouais. Chiffaut qui a fait un très bon début de saison en arrivant à Bordeaux, bénéficiant peut-être de la condition physique un peu approximative de tous les autres joueurs du championnat. Maintenant que tout le monde est au top niveau physiquement, lui paraît peut-être un peu frêle. Tête de Liouti, Bakhmout, Liouti, Charov. Attention, voilà, ça a failli passer à nouveau Liouti. Belle combinaison des joueurs de Dniepr qui se termine avec Tournel. Chiffaut. Passe-passe appuyé à son recalette, mais De Winter a bien suivi. Son recalette encore, tête de Schorn. Liouti, ah, bon dribbleur. Liouti à la lutte avec De Winter qui protège bien et ce sera une sortie de but tout simplement. Alors que Vladimir Liouti croyait, lui qui a marqué le but à l'aller, croyait avoir obtenu un corner. Il a marqué 5 buts en championnat cette saison, c'est-à-dire moins que Charov qui en a marqué 13, moins que Son, un remplaçant, qui en a marqué 6 et que l'on verra peut-être tout à l'heure. Mais il a marqué ce but qui a fait du RSS champion olympique. Remise en jeu de Sorokalet. Sur Liouti, bien entendu. Présentant Tournel de Winter. Remise en jeu rapide de Tournel pour Yannick Stopira. Bon centre crochet en crochet de Yannick. Et Ferreri a bien joué avec Laivalen. Et Wisniewski met en corner. Mais quelle inspiration encore de Jean-Marc Ferreri, à qui manquait beaucoup à l'attaque de Bordeaux, qui a manqué beaucoup aussi à l'attaque de l'équipe de France contre la Norvège. Car Jean-Marc Ferreri est en train de prendre sa dimension pourvu que le physique suive. Bejovic
Sifo. Il n'y a pas de hors-jeu. Rakowski rate un peu sa sortie. Il va y avoir but au pénalty. Il n'y a rien du tout. Quelle occasion encore pour Clive Allen et Stopira. Deux face au gardien de but avec un ballon qui traînait. Regardez ce rebond. Le ballon qui passe. Allen qui du pied avec un pied qui était peut-être un petit peu dangereux tout de même pour le gardien soviétique. Met la balle à côté. Il faut presser, presser toujours. Et faute sur Allen. Coup franc joué très vite avec Ferrari qui a démarré. Bon contrôle de Ferrari en pleine course. Ferrari va tenter de crocheter, passer par l'extérieur. Centre bien joué pour ce tir un peu haut. Tous les ballons qui sont dans les pieds de Ferrari sont des ballons dangereux. Et vous l'avez entendu expliquer à Christophe Roux en rentrant, il faut les provoquer, insister, insister. Il les provoque depuis qu'il est sur le terrain. Et le public scande le nom de Jean-Marc Ferrari. Alors que Touvel et Tigana, deux bons combattants, deux excellents combattants. Continue, remise en jeu de Touvenel pour Tigana. Il y a pas un petit coup au genou au passage. Kudrinski. Zoran Vujovic. Tigana. Et vous revoici Jean-Marc Ferrari. Pour demi terre. Chipo. Là, il y a une faute de main, non pas de Chipo, mais de Bakhmout, et ça a été joué rapidement avec Touvenel. Centre long de Touvenel, il n'y a personne, oh là là! Ah, il est indispensable que Stopira et Allen se jettent sur ces ballons et fassent pression sur les défenseurs. C'est leur point fort, il faut qu'ils l'utilisent absolument. Nouveau corner tiré par Ferrari. Dans les bras de Krakowski. Il relance vite sur Liuti. Mais Tigana qui est partout était là. Alain Roche. Tigana. Oh là là, difficile pour Tigana. Il est encore là. Et le ballon est toujours pour Bordeaux avec De Winter. Sénac, Vujovic. Ferrari. Aviation pour De Winter. Et dégagement de Wisniewski. Roche. Chipo. Belle combinaison de Bordeaux. Ah là, c'est arrivé dans les pieds de Ferrari qui n'était pas hors jeu d'ailleurs. Dégage bien en touche. Et que pour le moment, les Soviétiques jouent à 10 car l'arrière gauche Sorokalet, voilà, que Jean-Paul vient de découvrir sur la touche, est en train de se faire soigner. On voit du sang sur le genou, du sang sur la cuisse et apparemment c'est à la tête. Les ententes entre Kudrinski et Short pour l'instant là. Que les Girondins doivent continuer leur pression ou bien guetter. Difficile de choisir. Stopira. Bien joué, hein, ça n'est pas lu de peu avec Touvenel. Chorn. Bakhmout. Ouais, sur Roquelette, a l'air bien touché. Chorn. Kouchov et le nouveau Tichenko qui est entré à la mi-temps et qui a l'air en plein boom et qui va peut-être aller au bout avec Liuti. Non, c'est la perception avec Sénac. Maintenant Ferrari, Jean-Marc Ferrari qui déroute, qui déroute, qui déroute et qui donne un bon ballon à Clive Allen. Oh là là, qui était un peu lourd. Effectivement, quelle occasion pour Clive Allen encore qui effectivement s'est montré un peu lourd. C'est encore gentil en disant ça, Michel, car c'était vraiment une balle pour un avant-centre lorsque l'on a été meilleur buteur du championnat d'Angleterre, qu'on a joué à Tottenham, à QPR, au Queen's Park Rangers.
on peut attendre, et 5 fois en équipe d'Angleterre, on peut attendre un peu plus de vivacité sur ce genre de ballon. Bordeaux ne devrait, sur le match qu'il fait ce soir, ne plus être en danger face à Dieppe. Depuis un moment, ouais. Ah ouais. Et c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est l'égalité. Dichenko a donné une balle que récupère Tigana. Ferreri. Zoran Vujovic a poussé un peu trop. Et Garachenko met en touche. Pas touche. Alors que son recalette se fait toujours soigner. Alain Roche, Tigana. Tigana glisse à Ferreri. Voilà, lui il est mobile, il est souple, il va passer. Il déborde, il centre, il est contré, il y a corner. Il doit être un petit peu gêné tout de même par sa douleur au nerf sciatique qui s'irradie dans toute la cuisse. Corner joué vite. Frappe du gauche. Oui, mais il faut varier le jeu. C'est vrai qu'un Stopira et Allen peuvent râler en disant qu'ils voulaient un centre au deuxième poteau. Ils en ont quand même eu pas mal, Stopira et Allen. Et Ferreri a raison de chercher une frappe au premier poteau. Alors que le coup de risqué, pour l'instant là, fait une main. On va retrouver Touvenel. Il en a envoyé des centres ce soir, de Winter. On dit de Winter. Ou de Winter. De Winter. De Winter. De Winter. De Winter joue à Châteauroux, je me demandais pourquoi il parle de lui. Voilà, je suis trop Châteauroux. Ce recalette va certainement en sortir et on va voir rentrer donc un des bons buteurs de Nieppe. De Wilder, voilà. Son qui a marqué 6 buts et qui avait joué les 20 dernières minutes du match aller. Charov. On va chercher Liuti. Jean-Marc Ferreri. La touche est pour Dieppe. Et le changement maintenant. Oui, le pauvre Calette qui sort et qui est sorti depuis déjà un bon moment, regardez-le. Cuir chevelu profondément entaillé. Ah, il n'a pas l'air prêt. Et Son est un buteur, vous l'avez dit Charles tout à l'heure, il a marqué 6 buts en championnat. C'est un buteur dont on signale surtout ses qualités d'opportunisme. Attention donc au sein de la défense bordelaise. Par exemple sur ce coup. Et coup de sifflet pour une faute en faveur de Bordeaux. Rythme tombe du côté des Girondins. Ferreri. Tifo qui a tenté de récupérer. Tête de Touvenel. Tigana qui pose bien le jeu pour Jean-Christophe Touvenel. Appel de Chipo. Plus deux, difficile. Il ne pouvait pas passer face à Son. Malin, très très malin Jean-Christophe Touvenel. Ouais. Car il était archi battu sur ce 1-2. Il est venu rencontrer le dos de son adversaire soviétique et il a récolté un beau coup franc pour obstruction. Perdé. Voilà. Coup franc joué avec Ferreri. Ferreri qui entre dans la surface. Ferreri qui va centrer. Très beau centre. Oh que c'était beau encore. Rakowski était levé, mais il n'y avait personne à la réception. Il y avait Stopira qui a été un petit peu gêné, beaucoup, il affirme même Stopira, dans sa course pour mettre la tête. Regardez comme Ferreri est beau lorsqu'il déborde. Centre parfait, juste des pieds. Et Stopira en déséquilibre, mais c'est sans doute déséquilibré tout seul. Garachenko qui n'a pas pu s'en sortir.
Doran s'est fait gronder par Aimé Jacquet. Il y a de quoi d'ailleurs, parce que maintenant les blancs ont du champ. Avec un ballon pour Son, précisément. Son avec Charoff. Charoff qui tente de passer. Bonne interception d'Alain Roche pour Gipo. Temporise de Natigana. Belle ouverture de Tigana pour Carré qui a beaucoup d'espace. Il va accélérer, il va aller chercher à dribbler et il n'est pas passé cette fois. Garachenko l'a très bien stoppé et on retrouve Bakhmout pour Diem. Son. Et on est en train d'élargir le jeu du côté des Soviétiques. Ils se refont une santé. Roche, impeccable, Souvenel. Chipo, pressé. Tigana. Tigana, patron de cette équipe des Girondins. Zoran Vujovic. Toujours un partout, toujours rien de fait. Et Ferreri dans la surface. Ferreri face à Pouchkov. Et nouveau corner avec Wisniewski qui était dans le coup. Ah, la vivacité et l'inspiration de Ferreri sont pour beaucoup dans le renouveau bordelais de la deuxième mi-temps. Zoran Vujovic pour la tête de Ferreri au premier poteau. Envoi de Schorn. Touvenel remet bien et sorti. Au casou de Krakowski. Ballon qui est sorti en sortie de but. Ces Bordelais qui ont fait énormément d'efforts dans les deuxième et troisième quart d'heure de la première mi-temps risquent de manquer d'un peu de fraîcheur en fin de match. Et pourtant, ils ont toujours besoin de pousser, de provoquer, de peser sur la défense soviétique. Et pour le moment, les Soviétiques sont en train de reprendre un petit peu du match. Avec Son. Oh, l'entrée de deux remplaçants, donc Kishenko et Son. Son que l'on ne retrouve pas ici, car Touvenel a intercepté avec Chipo. Touvenel, encore une accélération de Jean-Christophe Touvenel qui aura fait des kilomètres dans ce match pour les deux joueurs de tête, Naïm Allen et Stopira, qui sont battus. Et ballon que coup risqué, mais en touche. Petit coup de risqué. Ferreri. Il a réussi une patte et une frappe dans la foulée. Et frappe encore du pied droit. Ce qui est bon signe. Le fait que Ferreri tire une fois à droite, une fois à gauche, va obliger la défense soviétique à monter plus sur lui et peut donc libérer Stopira ou Allen au centre. Et la prochaine fois, Ferreri centrera sans doute. Et il y aura peut-être un peu plus de champ pour ses avancées. Schorn face à Stopira. Tête de Vujovic qui prend l'avantage pour donner à Jean-Marc Ferreri qui a encore de l'espace. Belle ouverture que Pouchkov met en corner. Il était bien embêté, Pouchkov. Il en avait un devant et un dans le dos. Voilà. Et impossible de la donner à son gardien, c'était trop difficile. Corner avec montée de Sénac, mais pas de Roche cette fois. Ferreri pour tirer le corner. Cafouillage, il y a eu une main semble-t-il de quelqu'un, mais l'arbitre l'a joué, c'était une main bordelaise et hors-jeu de Ferreri. Oui, la main était de Enzo Chifo. Il disait hier matin à l'entraînement, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut que nous arrêtions de prendre des buts en début de match. Oui. Il a été servi 60 secondes et ça y était. Là voilà la main de Chifo. Ouais. Et Enzo Chifo qui est encore beaucoup plus confiant que ses partenaires, car lui n'a jamais perdu contre une équipe soviétique. Alors ça, il était à Anderlecht, il a éliminé deux équipes soviétiques de Coupe d'Europe. Ça ne passe pas Touvenel. Remise en jeu de Pouchkov. De Bilder
intercepte. De Winter, stoppé et avec un coup franc à la clé de Son. Ouais, Son qui avait d'abord bien pris le ballon, qui ensuite a fait une faute, alors que c'est Shore qui est en train de changer de chaussure. Se rafraîchir, Tigana. Tigana passe et faute de Liuti sur Tigana. Alors que Bordeaux avait continué l'action. Voilà, on revoit l'obstruction de Liuti, qui a gardé la même genouillère bleue avec laquelle il est devenu champion olympique. Le voilà lui. Très très beau joueur. Je ne sais plus l'enlever. Et qui a touché 80 000 francs de prime pour son titre olympique. Touchant. Grand tiré par Chico. Sortie assez difficile de Krakowski. Et Chico qui revient. Il y a une petite mésentente là et c'est un corner. Ah, ils ont, ça les fait rire. Okay. Krakowski qui a quand même beaucoup de soucis dans ses sorties car il rencontre souvent des partenaires. Voilà, cette fois-ci c'était encore un homme à lui. Ouais, le corner est tiré et en voilà un autre. On va remettre ça avec Touvenel. Oh. Ah, reprise de Devinder qui pose un problème à Krakowski, mais il y avait une faute de Yannick Stopira d'après monsieur Helmut Kohl. Ah non, elle ne devait pas y être, mais je ne te touche pas, dit Yannick Stopira à Krakowski, qui ne doit pas exactement comprendre ce qu'il lui dit. On va voir. C'est vrai qu'il n'y a pas... Je ne touche pas du tout. Non. C'est-à-dire que sa montée sur le gardien soviétique était un peu impressionnante, alors elle a impressionné et le gardien et l'arbitre. Et on retrouve Jean-Marc Cueil. Il touche énormément de ballons et son centre est renvoyé par Wisniewski. Elle est bonne cette balle pour Chico. Elle est bonne pour Chico, oui. Mais Butchkov a pris le meilleur. Short. Cherche Beauty. C'est Lac. Ouais, difficile. Ah, le ton a baissé, le rythme a baissé. Pas évident que ça fasse l'affaire des Girondins de Bordeaux. Remise en jeu de Sod. Short. Transversal difficile à négocier. Et ça va très vite avec maintenant Jean-Marc Ferreri. Encore Ferreri. Un crochet. Il tente sa chance et il frappe. Ferreri qui se sent en confiance et qui y croit en lui. Et qui a les dents, pourrait-on dire, parce qu'il était tellement déçu de ne pas avoir été titularisé par Aimé Jacquet. Il se dit qu'il a une revanche à prendre, ce qui explique qu'il garde beaucoup la balle d'ailleurs. Il ne faudrait pas qu'il sombre dans l'individualisme, car sur cette attaque, il avait fait un formidable décalage. Il pouvait effectivement la continuer seul, il n'y a rien à dire. Il aurait aussi pu la donner à un partenaire mieux placé. Alors que Chipo semble baisser un peu de pied. Bakhmut. Charov. Bakhmut, De Wilder qui s'est bien jeté. Zoran Bujovic relance et ça relance toujours du côté de Jean-Marc Ferreri qui redonne dans l'axe à Jean Tigana. Très bien vu de la part de Tigana avec Touvenel. Glisse à Clive Allen, tente d'accélérer mais n'y parvient pas. Butchkov, ouais. Son. Dujovic qui le suit. Et le ballon est sorti. Et qui a fait un beau travail, Zoran Dujovic, qui est d'assez loin le meilleur des trois étrangers des Girondins de Bordeaux aujourd'hui, alors qu'il n'est pas titulaire depuis le début de saison. Et
que Sifo est régulièrement mangé par le milieu soviétique et Allen étouffé dans l'arrière-garde de Dieppe. Ljubic était certainement comme Ferrari, il avait, comme vous dites, on dit les boules en général, mais bon, il est non. Sifo, frappe de Sifo à ce moment-là. Mal renvoyé par Krakowski, et toujours Sifo dans la surface, qui donne à Clive Allen, qui croyait qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais il y avait lui. De Wilder. Bien joué avec Stopira. Le ballon est toujours pour Bordeaux avec Ferreri qui passe. Pour la tête de Stopira cette fois pour Clive Allen. Oh, pénalty, pénalty. Oh, sur Clive Allen, le pénalty pour Bordeaux. Et vous avez vu cette fois que Jean-Marc Ferreri a choisi le centre pour la tête de Stopira qui est bien démarqué, qui choisit lui aussi de recentrer car l'angle est fermé. Ça, c'est parfait. Il y aurait la complémentarité des deux avant-centres et a priori faute de Gerashenko sur Clive Allen a poussé dans le dos. Elle me paraît assez nette. Disons à 80%, mais je jurerais pas qu'il n'y ait pas un peu de comédie sur les 20 autres pourcents. Ah, sur la fin du plongeon, ouais. Ouais. En tous les cas, pénalty que va tirer Sifo car Clive Allen a manqué ses deux derniers pénaltys. Aimé Jacquet a donc demandé à Sifo de tirer les pénaltys. C'est le premier pour lui au Girondins de Bordeaux. Ouais. Oh, là, quel oh là, là là là. Il y est 2-1 pour Bordeaux. Et que tous les de malheurs réussite. Du monde sur Krakowski car il y a vraiment eu tous les malheurs. Car on va revoir certainement, mais la balle a heurté le poteau. Et je crois qu'avant de finir sa course juste derrière la ligne, ah, il elle a passé. Dû toucher son talon sans doute. Exactement, ah, ouais. Car le ballon n'allait pas dans le but. Sifo avait tiré sur le poteau. Regardez, intérieur du poteau, elle revient. Hop, on n'a même pas eu le temps car c'est trop vite, mais elle touche l'arrière. Elle touche le talon de Krakowski qui la renvoie à l'intérieur de l'autre poteau pour un but qui, pour le moment, qualifie les Girondins. Ah, étonnant penalty. Très, très étonnant. Et à l'origine de l'action qui a permis aux Girondins d'obtenir ce penalty, qui Jean-Marc Ferreri et le jeu de tête de Yannick Stopira. Et il reste un quart d'heure. Et un but de Dieppe qualifierait Dieppe. C'est clair. Clive Allen, non ? Sonne. Clive Allen qui revient pour prendre ce ballon et qui fait une faute sur Backmouth. Il va encore y avoir des émotions d'ici la fin de cette soirée. Ça va être très chaud avec Sod maintenant pour Dieppe. Attention au démarrage de Liuti, bonne sortie de Dominic Ropsy. Qui couvre bien son ballon. On va repenser au pronostic d'Evgeny Kucherevski, l'entraîneur de Dieppe, qui avant le match aller, je dis bien avant le match aller, avait dit nous allons faire 1-1 chez nous en Union soviétique et nous réussirons le match nul 2-2 en France au match retour. Ce qui nous qualifierait. Et pour le moment, il n'est qu'à un but de sa vérité. Didier, viens là. Ça s'adresse évidemment à Sénac. Allez, Jean, allez. Alain Roche. Long ballon devant. Et Krakowski. Hein, qui doit revoir dans sa tête. Ce pénalty, il marque du talon. Alors que le ballon était sorti après avoir heurté le poteau. Et que Sifo n'aurait pas gagné sa journée en manquant ce pénalty après le match relativement moyen qu'il vit. Donc, nouvelle donnée dans ce match avec Dieppe obligé de marquer. Alors que le score précédent d'un partout nous conduisait aux prolongations. Là, il n'y aura pas, quoi qu'il arrive, de prolongation.
Et donc Pierre Sled et Michel Platini, quoi qu'il arrive, prendront l'antenne à 22h pile. En direct. En direct, Benfica Montpellier. Touvenel. Alors est-ce que l'équipe de Bordeaux est capable de préserver un résultat pendant une demi-heure? Un peu moins sans doute. Oui. De Wilder. Touvenel. Aimé Jacquet disait que son équipe n'était pas capable de préserver un 0-0. Elle l'a prouvé en 60 secondes. Mais un 2-1. Voici Ferrari. Centre deuxième poteau pour la tête de Stopira. Oh là là, envoyé par Krakowski. Ben quand on jugera Stopira, il faudra quand même se rappeler de son jeu aérien qui a été décisif aujourd'hui. Charon, attention bousculé. Et c'est un coup franc. Attention, vas-y Yannick. Oui, avec des Bordelais qui ne reviennent pas et qui ont un peu tort. Absolument se replacer, rester vigilant, attentif, être plus près au marquage. Et Gentilgana, bien sûr, lui ne fera pas ce genre d'erreur. Et il appelle tout le monde. C'est là qu'il faut être, Titi. Et Chiffaut bénéficie d'un coup franc. Oui, Chiffaut qui, avec lequel il ne faudra pas être trop dur non plus, parce qu'il est sûr que le climat guerrier de la Coupe d'Europe, pas vraiment de la rencontre, la climat quand même dur et âpre, ne facilite pas son jeu, mais d'un autre côté, sa facilité technique doit aussi permettre à ses partenaires de faire d'autres choses. Le voici, Enzo Chiffaut, Gentilgana. Gentilgana qui est bien esselé. Et c'est Son qui récupère. Ballon pour Short. Dévié pour Liuti. Envoyé par Sénac sur Yannick Stopira. Et Roche. Et maintenant, les Bordelais, bah, quand ils vont pouvoir gagner un peu de temps par-ci par-là, ne vont pas se priver. Donc un peu plus de 10 minutes. Yannick Stopira. 10 minutes à tenir pour Bordeaux. Avec De Wilder, Tigana, Bakhmout. Bakhmout qui tient bien. Qui donne à Charon. Obstruction non sifflée de Chiffaut. Et Tigana repart. Tigana pour Chiffaut. Il s'en sort très bien. Et qui renverse du côté de Jean-Christophe Touvenel qui va très vite. Contrôle de l'épaule. Centre de Touvenel. Pour la tête de Chiffaut, c'est pas fini avec Laïvalade qui se bat, qui tente de projeter, qui tente de peser, redonne à Touvenel. Et la défense de Dieppe renvoie comme elle peut en plus. Et là on a vu un très très bon Chiffaut, effectivement. Jean-Paul nous le remonte en gros plan, car il a été parfait sur cette action. Enzo Chiffaut. Roche. Attention, coup franc Dominique Grandpré. Il faut dégager. Rapido. Tichenko. Interception Zoran Dujovic. Qui était monté. De Wilder. Bien vu avec Yannick Stopira. En retrait avec Touvenel. Tigana fait tourner le ballon. Et accélération de Touvenel une fois de plus qui va pouvoir centrer. Chercher la tête de Clive Allen ou celle de Chiffaut. Clive Allen qui reprend du bout du pied. Et là encore une bonne inspiration d'Enzo Chiffaut. Depuis que j'en ai dit un peu de mal, il est excellent. Et qui a donné un bon ballon à Clive Allen qui a manqué encore un peu de promptitude dans sa frappe. Son.
sur le démarrage de Sharov. Et c'est encore Tigana qui est là, mais qui fait une faute. Faute de Jean Tigana sur Sharov. On va trembler sur chaque ballon qui sera dans la zone de but bordelaise maintenant. L'égalisation soviétique et c'en est fini de la qualification bordelaise. Bakhmut pour tirer le coup franc. Oula, oulala, Dominique Dropsy met en corner. Et bien heureusement que Dominique Dropsy a eu le bon timing pour sauter, car il a bien failli être lobé sur cette tête de Liuti. Regardez, il est obligé de faire un pas en arrière et juste au bon moment la claquette. Corner tiré encore par Bakhmut et il y avait encore la tête de Liuti qui était menaçante. Et la touche est pour Dniepre. Ah, il faut sortir le ballon de cette zone de jeu. Zoran Dujovic va le faire. Et joliment pour Sipo qui a fait un bel amorti. Histoire de permettre aux autres de revenir et de partir à son tour et d'accélérer. Très belle action de Sipo qui rate en revanche sa passe pour Jean-Marc. Et il y a un nouveau danger pour Bordeaux. Danger avec Liuti maintenant. Et sonne. Roche renvoie, mais renvoie sur Tichenko. Sharov. Et ça ne passe pas pour Dniepr. En revanche, Yannick Stopira replié. Relance la mécanique avec un démarrage de Ferreri hors jeu. Et il ne peut pas y avoir grand-chose. Attention au carton si vous continuez. Il a fait, oui, j'ai pas entendu le sifflet. Oui, il aurait très bien pu avoir un carton jaune car beaucoup, beaucoup de joueurs l'auraient sur cette action. Et il n'y avait pas un demi-centimètre s'il était vraiment en jeu. Ah, c'était Eric Rack. Hein. Regardez, il s'engage bien. Là, il va donner la balle, il n'est pas en jeu. C'est clair sur ce ralenti de Jean-Paul. Il n'est pas en jeu. Et c'était balle de match, balle de qualification, balle de break. On avait 5 dernières minutes peinard, c'est pas le cas. Et regardez avec comme Tigana est bien sorti. Oh là là, formidable Jean Tigana. Sipo. Sipo qui fait une passe de deuxième mi-temps. Superbe. Et qui va obtenir un coup franc. Et là, c'est bien. C'est très bien, bien ce que fait Sipo, de garder le ballon, de temporiser, d'attendre des appuis. Car le temps travaille pour Bordeaux maintenant. Et Enzo Sipo est parfait, effectivement, dans ce rôle. Voilà, peut-être une frappe d'Alain Roche. Ne serait-ce que pour économiser les forces de ses coéquipiers. Le mur est 9 bons mètres 15. Koudrinski qui a détourné ce tir d'Alain Roche. Giratchenko dégage. Pas loin pour la tête de Liuti. Touvenel, ah oui. Oh là, il a fait une feinte d'agression. Sans agression. N'est-ce pas? Et le geste, tout à fait, le geste de mauvaise humeur de Putschkov a lui été sanctionné. Ah oui, il est tombé dans le panneau. Carton jaune à Shore. Liuti. À Liuti qui protestait. Non, il prenait le pauvre qui est mort de fatigue, qui descendait de l'avion hier. Il n'avait pas l'air de protester très fort. 21 heures d'avion. Hein. Et un titre olympique. Oui. Il y a eu un changement à Bordeaux. Sans doute, je n'ai pas vu passer, mais sans doute Eric Péan. Qui avait affiché une forme resplendissante au parc samedi dernier. Un dégagement de Dropsy sur Clive Allen. On va souvent regarder le chronomètre maintenant. Et une faute en faveur de Dniepr. Il ne faut pas prendre d'avertissement, il faut gagner du temps. C'est effectivement Eric Péan qui va rentrer. Il faut gagner du temps, mais il ne faut pas prendre de carton jaune en perdant du temps. Car il faut penser, même si rien n'est fait, au tour suivant. Alors,
place de Stopira, vous l'avez vu sur l'écran avant que ce changement des lieux. Et attention à cette tête de Beauty. Oh là là, danger, danger, grand danger, c'est pas fini avec Tounel. Tounel qui tente de garder, qui crochette Son dans sa surface. Quelle audace et quelle réussite. Oh là 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 là. Ah, c'était balle de but pour les Soviétiques. Cette balle qui avait traîné dans les 6 mètres. Et voilà Ferreri maintenant qui est bien parti, sorti de Krakowski. Ah oui, mais. Il est sorti, il avait une bonne avance. Changement. Et c'est Allen qui va sortir, semble-t-il, non? Ah là, du coup, le changement n'est pas intervenu au bon moment car il y avait une bonne balle de contre-attaque. Effectivement, changement d'idée. Non, stop, bien. Non, 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 non. Allen, changement d'idée au dernier moment d'Aimé Jacquet. C'est Clive Allen qui va sortir. Eric Péan, donc défenseur, milieu de terrain à 16 heures. Clive Allen, qui, le moins qu'on puisse dire, n'est pas applaudi par le public de Bordeaux. Eric Péan qui va rentrer en deuxième stopper, mais ça va être troisième stopper dans cette fin de match. Et Ferrari qui obtient un corner, et ça aussi c'est bien joué à cette heure-ci, vu la situation. 88 minutes de jeu effectif. Ferrari pour Stopira. Et attention, oui, il a bien fait de renvoyer Wisniewski. Il ne faut pas perdre le ballon. C'est de la dynamite un ballon dans les pieds soviétiques à cette minute. Dichenko. Contre favorable. Chorn. Pour Diep. Alors que le public siffle et que De Bilder fait une faute sur Son. Oh là là, chaque coup franc dans cette zone-là maintenant va ressembler dans l'esprit de tous à un pénalty. Car c'est balle d'élimination ou de qualification. Magmoud pour tirer ce nouveau coup de pied arrêté. Attention au jeu de tête fabuleux. Ça fait en tout cas très impressionnant des Soviétiques. Mais là c'est Yannick Stopira bien revenu qui met en corner. Et il y a toujours danger. Il y a gros danger. Alors que ce sont les dernières secondes. Une balle de contre et c'est un but pour Bordeaux. Avec Ferreri, ça, Krakowski qui est sorti. Ferreri tente d'ajuster. Il prend son temps, il ajuste. Oui, non. Ah, et comment lui reprocher cette action à Jean-Marc Ferreri. Mais c'était balle 2, ultime break. Il faut se replacer du côté.